On est Christophe Hamel. Christophe, vous présentez Belle d'Hermès, une Belle d'Hermès qui se montre vraiment efficace ces derniers temps sur l'herbe, mais également à droite. Qui était pas trop perfectible l'année dernière, qui avait peut-être besoin de reprendre beaucoup de fraîcheur. Là, sur les dernières courses, c'était vraiment bien. La jument, on a l'impression qu'elle est même un petit peu de plus en plus sur la montante. Donc, en plus, c'est surtout une spécialiste corde à droite. Elle a couru à gauche, mais elle était un petit peu moins à l'aise. Et l'avantage, c'est qu'elle va aussi bien sur l'herbe que sur le sable. Donc, c'est une jument sympa cette année. Le fait de la déférer les quatre pieds cette année a l'air de la transcender, contrairement à ce qui avait pu se passer par le auparavant. Déférer les quatre l'année dernière, elle était pas très perfectible au niveau état général, donc là je pense qu'elle a pris pas mal de force et puis un petit peu plus de niaque pour finir ses parcours. Bon, vous n'hésitez pas à la redéférer les quatre à Vichy, elle découvre un bel engagement en tête, elle semble avoir quelques atouts dans sa possession. Disons que l'atout prioritaire, c'est que c'est une jument qu'il ne faut pas trop mettre dans le rouge et puis se contenter que de suivre. C'est une jument qui va finir. Donc là, l'engagement est bien en tête. Il y a des bons chevaux à 25 mètres, mais ils sont très peu nombreux. Donc si on peut tirer une bonne épingle du jeu dans la phase finale, ça peut être bien. La phase initiale sera également importante. C'est une jument qui s'est déboulée à la volte. Oui, c'est une jument qui démarre. Après, il faut vite reprendre pour laisser passer un bon dos. La dernière fois, Jean-Philippe, c'est ce qu'il a fait à Cran. Il est battu par un cheval qui est déclassé en ce moment. Donc la jument a fait preuve à chaque fois de courage. Donc on espère que mercredi ça va être la même chose. On peut l'envisager où? Mercredi même sur le podium si d'aventure ça se passe bien? Bah, si ça veut sourire, on peut être dans les 5 premiers, oui. C'est ce qu'on vise.